Le Seigneur soit béni. Donc bonsoir tout le monde. Bonsoir. Gloire à Dieu. Bonsoir Olivier. Bonsoir Ornella, Betty et, également Aurélie, tout ça. Et que le Seigneur Naomi et puis bien sûr Noélie. Voilà, que le Seigneur soit béni. En tout cas, quelle grâce. Loïc aussi qui est au niveau du piano. Pianist of God. Voilà, on ne t'a pas oublié. Voilà, que le Seigneur soit béni en tout cas. Vous êtes heureux d'être là tous ensemble? Ah ouais. Oui, très, très, très heureux. Wow. Wow. Dans la joie. Dans la joie. On attendait une émission là. Non. Ah bon? Ah, wow. Oui. Pourquoi? On a des choses à dire. On a des choses à dire. Et puis déjà, on est très heureuse d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Là, de là, tu sens la chaleur. Ouais, tu sens la chaleur, ça fait du bien. La sainteté qui te couvre là, ah, ça fait du bien. Waouh, wow. Gloire à Dieu. Olivier, toi aussi, pareil, tu... Moi, pareil. Hein. D'accord. J'attendais de vraiment témoigner ce que Jésus l'a fait dans ma vie. D'accord. D'où il m'a sorti. D'accord. Et de ce que je vis avec lui. Donc, tu es arrivé ce matin. Je suis arrivé ce matin. De Lyon. Oui, de Lyon. Tu avais hâte d'être là. J'étais aussi. C'était chaud un peu, mais. Waouh. Alors, on va juste lire un passage et puis on va vous laisser le temps de vous exprimer. Donc. On va vous donner la possibilité. En tout cas, vous avez toute la soirée hein, pour partager tout ce qui vous a à cœur, de partager au nom de Yeshua. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, et, chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 6. Actes chapitre 1er, à partir du verset 6. Ben, je laisse Aurélie, hein, si tu veux bien nous faire la lecture. Merci. Acte 1, à partir du verset 6. Eux donc, étant assemblés, l'interrogèrent, disant « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Mais il leur dit « Ce n'est pas à vous de connaître le temps, les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà, donc le Seigneur, bien sûr, après sa résurrection, confie une mission aux disciples, aux apôtres qu'il avait choisis. Et cette mission, bien sûr, s'étend sur tous les chrétiens, tous ceux qui aiment Dieu, qui aiment Jésus-Christ, qui l'ont reçu dans leur cœur. Et il leur dit ici, parce que la préoccupation des apôtres, c'était quoi? Quand est-ce que tu allais rétablir Israël? Ça, c'était vraiment leur préoccupation. Et le Seigneur leur dit, ce n'était pas à eux de connaître ce moment-là. Et il leur dit, par contre, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit, eh bien, l'onction, l'autorité, la gloire de Dieu qui précède les vrais chrétiens. Et vous allez être mes témoins, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont expérimenté quelque chose avec Dieu et qui vont par la suite voir les incrédules, les athées, les incroyants, les infidèles, et leur partager cet amour, effectivement. C'est l'amour. Nous sommes des témoins de l'amour de Dieu. Nous avons été, nous, chrétiens, bien sûr, au bénéfice de l'amour de Dieu. Nous avons été, sauvés, nous sommes sauvés par grâce. Eh bien, le Seigneur nous appelle à être ses témoins, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont goûté à la présence du Seigneur, qui goûtent à la présence du Seigneur, et qui sont touchés, dont les cœurs sont totalement transformés, des vies complètement changées. Et ils ne sont pas toujours compris par ceux et celles qui l'ont côtoyé hier, c'est sûr. Et ils vont souvent les traiter de tous les noms, qui sont devenus bizarres, qui sont dans une secte. Voilà. Parce que bah, leur vie sont trop totalement transformées. Et là, bah, ils deviennent des témoins. Amen. De témoins par leur vie sanctifiée, par leur amour pour le Seigneur, par leur amour pour leurs ennemis. Hein, ils prient pour ceux qui les persécutent, ils bénissent ceux qui les maudissent. Mais voilà, être chrétien, être témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc c'est ce qui va se passer ce soir également. Vous allez écouter les témoignages des personnes qui sont devenues des témoins de Yeshua, de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Donc, on va commencer par toi, Olivier, qui est à ma droite tout de suite. Donc, tu t'appelles Olivier Kemen. Oui, je m'appelle Olivier Kemen. D'accord. J'ai 20 ans. D'accord. Et je ne sais pas si on t'entend bien. Est-ce que tu peux rapprocher le micro voilà. Je m'appelle Olivier Kemen, j'ai 20 ans. D'accord. Et je vais témoigner de ce que Jésus a fait pour moi. Je suis parti de très très loin. Tout d'abord, je vais commencer. On va commencer par le commencement. J'ai commencé le foot étant petit. Je devais avoir 5 ans. D'accord. Mais je jouais que à la maison, à l'école, tout ça. C'était pas encore vraiment mon sport. Donc là, on met les images tout de suite qui passent certainement à la télé. Hein. Donc les images, voilà. Donc là, donc t'as commencé le foot à 5 ans. Ouais, à 5 ans, j'ai commencé le foot. Là, donne-nous un peu quelques. Là, c'est quoi? C'est où? Là, c'est contre Reims en Ligue 1. En Ligue 1, ok.
Ça, c'était contraint. C'était ma première titularisation. D'accord. À 19 ans. Ok. C'est à 19 ans, première. Donc là, c'est toi qui as le ballon, là. Ouais, ça, c'est en équipe de France, en entraînement. D'accord. Là, on était c'était à l'Euro. Championnat d'Europe contre l'Espagne en demi-finale. En quelle année? Il y a 2 ans, quand je jouais encore en Angleterre. D'accord. Là, c'est pareil, entraînement en équipe de France. Là, c'était contre le PSG l'année dernière. D'accord, contre le PSG. Ouais, on les a battus pour la première fois. Ils étaient imbattus. D'accord. Voilà, donc. Donc, je disais, j'ai commencé le foot très tôt. D'accord. On va dire que c'était mon frère qui était voué à ce sport. Mm-hmm. Moi, je n'étais pas attendu. Mm-hmm. Mais le Seigneur l'avait vraiment fait la grâce que j'avais cette passion dans mon cœur. Mm-hmm. Même si je n'étais pas dans la lumière. Je n'étais pas encore dans la lumière. D'accord. Ensuite, par hasard, comme ça, il n'y a jamais d'hasard, on va dire. Mm-hmm. Je suis allé jouer dans un petit stade avec mon cousin. Mm-hmm. Et il y avait un coach qui était là dans un coin, comme ça, qui me regardait. Mm-hmm. Et il m'a appelé, il m'a dit, bon, pourquoi tu t'inscrirais pas dans un club avec nous. C'était son club. Il était dans ce club. J'ai dit, pourquoi pas, tout. J'ai pris, j'ai donné à ma mère, je peux m'inscrire. Au début, elle a dit, non, la licence, c'est cher, tout. Là. Prends, elle a dit, s'il te plaît, André, fait du foot. Le micro, hein. André fait du foot, etc. Donc, d'accord. Après, elle a accepté. Et après, c'est parti comme ça, c'était ma passion, je dormais au foot, je négligeais même l'école. Ok. Pour le foot, que j'étais vraiment un fou du foot. Mm-hmm. Ensuite, le Seigneur, il a fait grâce que j'avançais, et étant petit, je priais tout seul. D'accord. J'avais besoin de personne pour prier. Mm-hmm. J'allais à l'église, ma sœur s'inquiétait beaucoup parce qu'elle voulait pas que j'aille n'importe où, tout l'église catholique? Je savais même pas où j'allais. D'accord. J'allais prier seulement. Tu priais. Il y avait un ami qui était chrétien, il m'emmenait, j'allais à l'église, je priais normal. D'accord. Tout seul. Et un jour comme ça, je suis à la Garenne Colombes, j'étais encore petit. Je dis, bon, j'ai envie de monter plus haut. Mm-hmm. J'ai envie d'être un joueur de foot professionnel. Mm-hmm. Je commence tout seul, je pars à l'ACBB, qui était à 1 heure de chez moi. D'accord. En transport. J'avais quel âge? Je devais avoir 13 ans. D'accord. Je faisais 1 heure tous les soirs après l'école. Waouh. Et je rentrais souvent vers 23 heures tout seul. Mm-hmm. Et c'était un truc que j'avais en moi, c'était plus fort. Et Donc ça va aller. Et ensuite, j'ai été repéré par l'Olympique Lyonnais, déjà étant petit. D'accord. Le Seigneur, je pense qu'il a fermé cette porte. Ma mère, elle a dit non. C'était pas bon, c'était pas le bon moment. En plus, ce qu'il proposait comme contrat, c'était pas sûr, même pour mes études. D'accord. Et ensuite, le FC Metz, ils sont venus, ils m'ont proposé un contrat. Je suis allé, j'ai signé là-bas. Et j'ai commencé à monter. Au début, j'ai été rejeté. Mm-hmm. Puis après, j'étais dans la difficulté. Je suis sorti de cette période dure. Le Seigneur, vraiment, m'a fait beaucoup de grâce parce qu'il m'a réélevé. Mm-hmm. Les hommes, ils ont commencé à vraiment, comment on va dire, nous, les jeunes, ils ont commencé à kiffer. Mm-hmm. Il montait Olivier, espoir de la France, espoir de si. Mm-hmm. Avec mon ami Maxwell Cornet, qui joue aussi à Lyon. On était ensemble. T'es vraiment élevé. Je commençais à aller en équipe de France. Et là, c'est parti. Je commençais déjà à m'approprier la gloire de Dieu. Mm-hmm. Cette gloire qui n'était pas la mienne. Je commençais à être un des meilleurs joueurs du centre de formation. D'accord. J'avais une certaine notoriété. Même au lycée, je faisais ce que je voulais à l'école. Les profs, ils ne pouvaient plus rien faire. Mm-hmm. Parce que même quand ils me parlaient, je disais, c'est bon. Ça sert à rien. Moi, je vais être genre de foot professionnel, c'est bon. D'accord. Et j'avais pas encore signé pro. Donc ensuite, sont venus les convoitises de d'autres clubs comme Arsenal, Newcastle, des clubs anglais, des grosses écuries. Wow. Ils sont venus étant j'avais 16 ans, c'était assez rare ça, mais ils sont venus, j'avais 16 ans. J'ai pris le choix de signer à Newcastle parce que les autres portes étaient fermées parce que le club il demandait beaucoup d'argent. Mm-hmm. Ensuite, je suis allé à Newcastle et c'est là que c'est parti. J'étais dans le monde total. Complet. Les femmes, boîte de nuit, grosse voiture. Exactement. J'avais même pas encore le permis. J'avais déjà une Range Rover. Waouh, toute neuve. Toute neuve. J'avais pas le permis. Hein. Je la conduisais. J'étais fou. Pour moi, j'étais le plus fort. Mais comme on dit, Dieu, il sait ce qu'il fait. Il laisse. Il me laissait. Mm-hmm. Et voilà, je continue. J'allais en boîte. Ouais, je fêtais. J'allais en équipe de France. Je revenais. Je gaspillais de l'argent pour rien. Et t'avais combien de femmes à l'époque? Ouh là là. Non, sérieusement, je rigole aujourd'hui. Mais des fois, quand je pense, je me dis vraiment, Seigneur, ça fait mal. Tu sais, qui suis-je pour que tu m'aies sauvé comme ça? Parce que avec tout ce que j'ai fait, tu m'as sauvé. Tu m'as sorti de très très loin. Mm-hmm. De très très loin. Parce que ce que les jeunes, ils savent pas aujourd'hui, c'est que on fait des petits actes pour nous. Mm-hmm. Mais pour le Seigneur, c'est grave parce qu'on le délaisse et il a mal au cœur. Mm-hmm. Tu vois, et maintenant, je me dis ça à l'heure d'aujourd'hui. Mm-hmm. Que je peux plus être dans le péché. Je peux pas pécher. J'ai, tu vois? Donc j'avais je sais pas combien de copines, c'était facile. Je me rappelle même des fois je sortais avec des amis,
Je t'avais déjà raconté ça une fois. Il y avait des filles qui venaient à ma table comme ça et c'est moi qui décidais si elles rentraient ou pas. Waouh. Et peut-être j'étais tout seul comme ça. J'étais vraiment dans la gloire, quoi. J'étais seigneur vraiment pour moi. Mm-hmm. Tu vois. C'était une idole, quoi. Voilà. Mm-hmm. Tu rentres pas. Ah, toi, non, tu rentres pas. Et c'était comme ça. Et le seigneur, un jour, il m'a brisé. Il a commencé un peu petit à petit à m'envoyer des signes. Il y avait ma sœur qui était dans la prière. Ma sœur était dans la prière. Mm-hmm. C'était la seule qui était dans la prière dans la famille. Ça fait qu'elle était beaucoup attaquée, beaucoup combattue par rapport à ça. Et elle essayait de m'appeler. Et comme par hasard, quand elle m'appelait, je lui répondais, j'étais agressif avec elle. Mm-hmm. En sachant que je m'étais converti, j'étais musulman. Mm-hmm. J'étais musulman, je m'étais converti. Pour moi, j'étais dans le vrai. Et désolé si ça fait mal à certaines personnes. Moi, je préfère dire la vérité. Je n'ai pas honte. Maintenant, tu suis Jésus, quoi. J'étais pas dans le vrai. Maintenant, je suis Jésus. Et maintenant, si vous voulez, ma sœur priait, m'appelait. Je prenais pas la peine de lui répondre. Je lui répondais vraiment mal. Oh, c'est moi, je te rappelle après. Laisse-moi. J'avais les yeux voilés. Ensuite, le Seigneur, il m'a brisé un peu un petit coup là, la cheville. Petite entorse, 8 semaines. D'accord. J'ai pas compris, j'ai dit non, c'est rien ça. Ensuite, boum, j'ai commencé à m'entêter, je me suis entêté. Je me suis blessé à l'ischio. Waouh. Je me suis entêté, non, quadriceps, déchirure. J'ai dit, oh, c'est rien ça, je vais revenir. Je me suis redéchiré le quadriceps encore le même. Ça fait que j'ai fait 2 mois de blessure comme ça, je pense. Et plus je commençais à me dire, mais est-ce que je suis vraiment dans le vrai moi? Ça commençait à. Truc. Mais après, maintenant, le diable, comme on dit, il est là, il est présent partout, hein. Vu que j'avais pas encore reçu le Seigneur, et c'est là qu'il revenait. Il revenait toujours sur la forme d'une femme. Mm-hmm. D'une femme super belle. Je me rappelle. La nuit, pendant que tu dormais. Pendant que je dormais, une femme super belle venait. Et même en vrai, physiquement en vrai, je sentais, j'attirais ça. D'accord. Si tu veux, j'attirais ça. Parce que quand tu reçois l'appel du Seigneur, vraiment lui, il veut pas. Mm-hmm. Ça fait qu'il vraiment, il veut vraiment pas te lâcher. Quand le Seigneur t'appelle, lui, il est vraiment là. Les sœurs épicées peuvent en témoigner. Ensuite, bon, j'enchaînais, je sortais avec des femmes. Pour moi, j'étais terrible. Je suis un grand roi, je suis un boss. Ensuite, je vois que j'avance pas, je tourne en rond. Même malgré avec l'argent, tout ça, je tourne en rond. Tu n'étais pas heureux. J'étais pas heureux. Non, malgré ces belles femmes. C'était comme si j'avais des copines, hein, des amis, ils me disaient qu'ils jouent pour foot. Ah, mais Olivier, c'est terrible. Même un témoignage, un jour, je suis sorti avec des amis. Une fille qui est venue comme ça devant moi, j'espère même qu'elle regarde l'émission. Elle se met devant moi comme ça, elle me dit Olivier Kemen. Je la regarde, je lui dis oui. Et elle me dit tout sur moi. Vraiment, elle était vraiment envoyée pour me troubler, tu vois ou pas. Mm-hmm. Elle me dit tout sur moi, on s'échange les numéros, on se parle tout. J'espère vraiment qu'elle regarde, qu'elle comprenne, tu vois ou pas. Mm-hmm. Et non, mais on peut rigoler. Ouais, tu vois ou pas. Et parce que des fois, j'y pense, je dis, mais c'est grave quand même les attaques. Mm-hmm. Parce que on se rend pas compte. On se rend pas compte, mais elle se met comme ça, elle me décrit ma vie. Tu sors ta vessie, t'as fait ça, ça, ça. On s'échange les numéros, elle danse avec moi, je suis là. Mais moi, choqué. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça? Donc, je continue. Ensuite, j'étais là, j'étais perdu. J'étais musulman, je priais, mais ça me faisait rien. Tu vois, j'étais pas vraiment, c'était pas dans mon cœur. Mm-hmm. Et un jour, je suis dans la difficulté, j'appelle ma sœur. Elle me parle de Jésus, elle me parle. Elle me dit, tu sais que Jésus, il t'aime, tout ça. Comme on dit, Jésus, quand il travaille, ça dérange un peu. Mm-hmm. Ça commence à me déranger. Et j'ai laissé tomber encore. Je m'entêtais. Je pars en équipe de France. Les images là, je pars à l'Euro. On peut montrer encore les images là? Franchement, je fais un très très bon Euro. Tu vois? J'étais bon, j'étais bien dans mes matchs, tout. Le Seigneur, il permettait toujours. Mm-hmm. Sur le terrain, j'étais bon. Ensuite, maintenant, je voulais partir à Newcastle parce que j'avais pas vraiment joué, j'étais pas heureux. Mm-hmm. Dû à ça, parce que j'avais pas le Seigneur avec moi, je tournais en rond. Mm-hmm. Et je demande au Seigneur vraiment quand mes sœurs elles me disent il faut prier Jésus il va t'accorder ben t'as voulu partir signer t'as voulu avoir un contrat professionnel tu l'as eu il t'a toujours fait grâce tu vois je commence à le prier j'ai fait une expérience je l'ai prié et je me rappelle le mercato il finissait à minuit le mercato donc tu expliques c'est le marché le mercato c'est le marché de transfert mm-hmm. c'est-à-dire en gros les joueurs quoi voilà à partir de minuit je pouvais plus signer dans un autre club j'allais être bloqué à Newcastle donc je commence à prier Dieu non je vais partir aujourd'hui j'ai fait un acte de foi j'ai pris toutes mes affaires de Newcastle je les ai ramenées à Paris. Je dis, si je quitte pas Newcastle, je reste à Paris. Mm-hmm. Lyon, ils viennent, on négocie, tac, c'était dur. À 23h45, j'ai signé. À Lyon? Ouais. Donc, il restait 15 minutes. L'Olympique de Lyon, c'est une équipe aussi. Ouais, une grosse écurie. Grande que PSG, ouais, Marseille, tout ça. Exactement. C'est le plus grand. Non, ils ont la plus... un des plus grands centres de formation d'Europe. D'accord. Des jeunes. Et il fait partie des plus grands clubs français aussi parce que c'est les plus titrés.
D'accord. Avec cet championnat. Ah bon? Ouais, c'est les petits traits. D'accord. Et si on veut, là j'ai testé le Seigneur. Mm-hmm. Et le Seigneur il m'a montré qu'il fait ce qu'il veut. D'accord. 23... Pendant toute la journée, il m'a fait galérer, j'étais pas sûr de signer. Mm-hmm. À 23h45, je signe, à 15 minutes près, je signais plus. D'accord. À Lyon. Et alors j'étais déjà dans le bureau avec mon agent, je m'appelle un talent, on attendait, on négociait tout ça, à 45 je signe, je suis super heureux, je renie le Seigneur encore. Waouh. Je le laisse. Je dis, oh, c'est bon. Et un jour maintenant, bon, je vais aller plus loin. Quand j'étais à Lyon, l'année, elle était difficile. Le Seigneur, il m'a rabaissé. Quand je l'ai laissé, là, c'est là, il a commencé à me frapper. Ils m'ont mis en réserve. Ils m'ont mis dans un casier. Franchement, les joueurs de la réserve, moi qui étais joueur en équipe de France, je devais avoir un bon casier quand même. Mm-hmm. Déjà, j'étais pas dans le vestiaire de l'équipe 1. Mm-hmm. J'étais dans le vestiaire de la réserve. J'avais pas de casier. Mm-hmm. C'est-à-dire que, ils m'ont mis une chaise. Vous voyez les chaises en bois? Mm-hmm. Ils m'ont mis une chaise en bois. Le Seigneur, vraiment, quand il brise, hein. Mm-hmm. Une chaise en bois. J'étais assis sur une chaise en bois, sans casier. Mon casier, c'était un truc en métal, je mettais mes affaires dedans et tout le monde pouvait l'ouvrir. Mmh. Dire que j'étais souillé un peu, tu c'est vois. C'est ça. Et moi, je voulais pas reconnaître. J'allais en CFA, je marquais des buts et tout le temps, je disais, c'est moi, les mecs, c'est moi. Tu donnais pas, toujours tu donnais moi, pas la gloire au Seigneur. La gloire, toujours, c'était moi, quoi. C'était, waouh. et un jour, ma sœur, elle appelle mon autre sœur, qui s'était convertie, que je savais pas. Elle dit, il faut qu'on monte à Lyon, c'est chaud. Notre frère, il fait n'importe quoi. Mmh. Il fait n'importe quoi. Et quand Jésus, il appelle quelqu'un, c'est vraiment les sœurs chrétiennes, les frères chrétiens, ils sont en feu. C'est ça. Et mes sœurs, ils étaient en feu. Oh, il m'appelait Olivier, on monte. Quoi qu'il arrive, on monte. Et moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, nana? Montez alors, je m'en fous. Nana. On va monter. Ils montent. Ils montent, ils commencent à me prendre. Ils m'assaient. Si, ils sont là, là, au salon. Et moi, je sortais beaucoup. J'étais à la maison, mais je restais pas à la maison. J'étais avec des amis, je sortais. Tu vois. Et si tu veux, mes sœurs, ils m'attendaient à la maison. On s'assoit, on parle, il commence à me donner, dire des reproches. Olivier, là, j'ai vu que Dieu, il est grand. Elle me disait des trucs qu'il n'était pas censé savoir. C'est ça? C'est des secrets. D'accord. Pour moi. Olivier, tu voles la gloire à Dieu. Mm-hmm. Toi, tu dis des mots blessants à des gens. Mm-hmm. Il n'était pas censé savoir. J'ai jamais dit à personne. Je blessais des gens dans le vestiaire, des jeunes. Mais elles peuvent pas le savoir. Mm-hmm. Si c'est pas Dieu, tu blesses des gens. Les paroles que tu dis, c'est blessant. Tu prends la gloire de Dieu. T'es orgueilleux. Et moi, je suis là, je voulais pleurer. Et moi, ça m'arrive pas de pleurer. Mais, tu vois, mes sœurs, ils peuvent en témoigner. Moi, les trucs comme ça, ça m'arrive pas. J'ai toujours été très, très dur. Et je dis, non, c'est pas possible. Je dis, c'est bon, on a assez parlé. Je me rappelle, on s'était pris un peu la tête. Elle, elle voulait pas se prendre la tête avec moi. Je suis parti de la maison. Je suis sorti avec des amis. Mais quand je suis sorti, j'étais assez avec des amis. Et le Seigneur, il tapait dans ma tête. Mm-hmm. Tu vois ce qu'ils t'ont dit? Bah, c'est comme ça que t'es. Et c'était dur. Ensuite, je me rappelle l'enseignement que j'avais tiré, tout ça, c'était je devais avoir la paix dans mon cœur. Mmh. J'ai quelqu'un qui pardonnait pas, j'avais beaucoup de blessures. D'accord. Tu vois, je pardonnais pas par rapport à même à la famille, aux amis, je pardonnais rien. Et dès que j'ai commencé à apprendre à pardonner, avoir la paix dans mon cœur, je commençais déjà un peu à lire. J'écoutais de la musique. Là, j'écoutais encore de musique. Et je commençais à pardonner. Le Seigneur, il me fait quoi? Pendant une semaine, il me fait voir comment l'équipe première va m'appeler. Ok. Et comme ça, je suis à la cuisine, à la cantine, je suis en train de manger avec la réserve. Je l'avais déjà vu, hein, j'avais eu une petite vision. Mmh. Et le coach de la réserve, il vient me voir, il me dit, Olivier, cet après-midi, tu t'entraînes avec les pros. Et moi, je commence à rigoler. je rigole. Parce que le Seigneur, il m'a montré ça. Mmh. Et les gens, ils me regardaient, mais pourquoi il rigole, lui, il est fou? En fait, moi, j'étais déjà en train de dire, ah, Seigneur, c'est grave. Là, tu commences à donner gloire au Seigneur. Voilà, je commence à comprendre, oh, que le Seigneur soit béni, oh, soit béni. Toi, quand c'est comme ça, t'es chaud. Ouais. Le Seigneur soit béni, tout ça. Et si tu veux, après, il me met contre le PSG. Okay. Comme par hasard, ma famille vient voir le match. Mmh. Tout s'enchaînait. Et je rentre contre le PSG, mais vraiment un match de dingue. Plus de 60 000 spectateurs. Et je rentre dans ce match contre ma ville natale, Paris. Mmh. Et terrible, tu vois. Et c'est là que ça commence à monter encore plus. Et moi, comme un bête, on va dire ça comme ça, je finis, au lieu de rendre la gloire à Dieu encore, comme on dit, quand t'es dans le monde, j'avais encore la musique, j'avais encore plein de choses comme ça. Et voilà, j'ai pas réfléchi. Le soir, je vais rester avec une fille. Je reste avec elle, on va à l'hôtel, tout ça, nanana. Et en rentrant chez moi, je me sens mal. Je me dis, mais Olivier, t'as fait un truc de maladroit, ce que le Seigneur t'a accordé. Toi, tu finis comme ça, tu lui rends même pas la gloire, tu restes même pas avec ta famille, tu partages même pas. Mm-hmm. Et je me sentais mal, tu vois, quand tu te sens mal, dans ton cœur, ça faisait mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Le Seigneur, tout de suite, brise-moi encore. Le match d'après, l'équipe, ils me mettent en tribune. Ils me mettent pas dans le groupe. Carrément. Ouais, je comprends tout de suite. J'ai dit, tu vois, pourquoi je fais ça?
je redis pardon au Seigneur, tout ça, nanana. Il me remet sur le banc. Et je refais la même chose, il me rebrise. Mmh. En gros, dès que je foutais, bam. Un gars très... En gros, je voulais têtu, pour très... montrer vraiment que Dieu, vraiment, il est droit. Mmh. Dès que je faisais ça, dès que... Cassé, il cassait tout le temps. Ça fait que là, je voyais vraiment que je t'ai appelé. Tu vois, tu sentais qu'il y a quelque chose. Mmh. Il y avait vraiment quelque chose. Et l'année, elle se finit. Elle se finit bien parce que je commençais à prier. Je priais bien. Et un message aussi pour les jeunes, c'est les fréquentations. Mmh. Parce que quand je priais vraiment bien, tout ça, et j'avais des amis, ils venaient chez moi, sortaient. Je commençais à oublier la parole. Je commençais à la délaisser un peu. Alors que le Seigneur m'a fait beaucoup de grâce. J'ai commencé à enchaîner les bancs contre Montpellier. J'ai joué contre Reims. J'enchaînais les matchs. Je commençais à être de plus en plus connu. Tu vois, je commençais vraiment à avoir une autorité un peu dans le foot. Mmh. Et si tu veux, dès que mes amis étaient à la maison, je n'étais plus là à prier. Alors, les gars, vous voulez faire quoi? On sort, allez, on va au cinéma, on regarde des films. Tu vois, dans le monde vraiment. Ensuite, si tu veux, après ça, ils sont partis. Et c'est là, l'appel il a commencé à être plus fort. Mm-hmm. Quand j'ai vraiment été appelé, ça a été vraiment fort. Quand je suis revenu de vacances, j'avais fait la fête comme un malade. Mm-hmm. Comme un malade. Déjà en vacances, j'avais fait la fête comme un dingue. Mm-hmm. J'étais vraiment quelqu'un du monde, mais c'était les ténèbres dans ma tête, tu vois. Mm-hmm. Je voyais vraiment mal. En plus, elle se moque, mais on attend votre témoignage. Je faisais la fête comme un malade. Hein. J'étais fou. Tu vois, l'argent... Ceux qui ont l'argent t'a rendu fou. Quand ceux qui ont de l'argent et qui craignent pas le Seigneur, pardon, laissez votre argent. L'argent, c'est rien. C'est rien du Amen. Tout. Amen. Quand je vous dis c'est rien du tout, le Seigneur m'a montré déjà que je peux vivre sans argent et que je m'en fous complètement. Mm-hmm. Donc, je vous dis, je faisais la fête comme un malade. Regarde ce que je faisais. Je venais comme ça en vacances. Je rentrais. Genre, je prends une table là comme ça. Je mange dans des restaurants-ci. Je casse-pieds comme ça, tu vois. Wow. Et je savais même pas ce que je faisais. Tu pouvais dépenser combien comme ça? Comme ça? Franchement, dans la semaine. Ah ouais, en un jour. Déjà, franchement, en un jour avant. Bon, ma soeur, elle va me tuer pour après, mais bon. Tiens, j'étais dans des fois, 2500 euros la journée. Tu vois, j'allais au resto, En gros, mon argent, je savais pas ce que je faisais, je tournais en rond. Waouh. Tu vois ce que je veux dire? Waouh. Je crois que je vais avoir quelqu'un en ligne, hein. Non, pas encore. Tu vois? Okay. Je tournais en rond, vraiment. Je tournais en rond. Sans le Seigneur, je tournais en rond. Et comment mon argent, je sentais que mon argent, il partait seulement. Et comment tu arrives à la conversion alors? Comment ça s'est passé? Ça arrive là tout de suite. Okay. Je m'amusais, genre, en fait. Bon. Maintenant, moi, quand même, le Seigneur m'a mis à cœur que le foot, c'était là où je devais être sérieux. Mm-hmm. Je travaillais en même temps. D'accord. Donc, j'ai dit, bon, la fête, c'est fini, je rentre. Je vais aller prendre un coach. Je commence à courir. Je commence à me préparer pour la saison. Ma sœur, elle vient à Lyon. J'ai déménagé, tout ça. Mm-hmm. Nouvelle maison. Il n'y avait aucune fille qui était entrée dans cette maison. D'accord. Tu vois, c'était vraiment le bon moment. Ok. Tu vois ce que je te dis? Non. Si, il y avait une fille qui était venue dans cette maison. Ok. Tu vois? Et c'était venu dans cette maison parce qu'il y avait des amis. Mm-hmm. Il y avait une fête, des amis étaient venus, tout ça, nan, nan. Et si tu veux... Mais moi, j'étais mal. J'étais mal. Et ma sœur, elle me dit, elle programme, Olivier, je vais venir à Lyon. La veille avant qu'elle vienne, ma grande sœur, la plus grande, je dors comme ça, avant de dormir, je me réveille. Je veux l'appeler, lui dire, ouais, Vanessa, viens plus. C'est bon. J'ai envie d'être tout seul. Le Seigneur, vraiment, il m'a montré que t'es appelé là, c'est mort. Mm-hmm. Tu peux rien faire, t'es fermé. Mm-hmm. Ma sœur, elle me dit, non, c'est bon, Olivier, envoie-moi ta carte, je prends mon billet, je m'en fous, je viens. Mais c'est ma sœur, moi, je peux pas refuser quelque chose à quelqu'un de ma famille. Je dis, bon, vas-y, tiens, je lui envoie ma carte. Elle veut prendre le billet, il marche pas. Je dis, oh, merci. C'est la carte qui ne fonctionnait pas. Ouais. Alors qu'il y a l'argent dessus. L'argent dessus. Ça marche pas. Je dis, oh merci, elle va pas venir. Non. Et elle insiste, boum, ça passe. Elle vient à Lyon. Mon autre sœur, Priska, allez, elle vient à Lyon. Elle me dit, Olivier, il y a une réunion là. De réveil. De réveil. À Lyon. Faut que tu m'accompagnes. Il y avait deux voitures, hein, j'ai deux voitures. Mm-hmm. Tu vois. Et je lui dis, bon non, prends l'autre voiture toi et tu y vas. Elle me dit, non, 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 non. Tu me déposes. J'ai dit, non. Il y a une voiture, je m'en fous, je viens pas. Je dis d'accord. Moi, je lui dis, je vais vidéo avec le club. On a un petit truc vidéo. Et... Il y avait tout pour que je rate. Le diable, vraiment, il agissait pour que je vienne pas à cette réunion de réveil. Mm-hmm. Parce que je t'avais dit, quand on s'était vu, je devais te voir. Mm-hmm. À tout prix. Mm-hmm. J'avais dit à ma soeur, trouve-moi l'humour du frère, je veux le voir. Nan, nan. Je sens qu'il faut que lui et moi, on se parle. C'est en gros, le Seigneur, il montrait qu'il fallait qu'on se parle. Mm-hmm. Qu'il devait avoir un déclic. Mm-hmm. Et ma soeur, elle vient, elle me dit, non, je prends pas la voiture, elle a le permis. Hein. J'étais tellement fâché contre elle.
Elle a le permis, elle me dit non, j'ai besoin que tu me déposes. Moi, je préfère qu'on me dépose. Elle faisait exprès. Elle savait, le Seigneur lui avait montré déjà. Donc, moi, je vais à l'entraînement. Je lui laisse ma carte. Je lui dis prends le taxi et moi, je viens te chercher. On a quelqu'un en ligne rapidement. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. On entend mal l'équipe technique. Vous pouvez nous aider pour le retour, s'il vous plaît. Oui, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Je suis Marie-Louise. J'appelle depuis Nantes. D'accord. Dieu toute la gloire. Amen. De voir comment mes frères et mes sœurs témoignent de l'amour de Dieu dans leur vie. Gloire à Dieu. Donc franchement, j'ai tenu vraiment ce soir. Gloire à Dieu. Mission, malgré qu'il y a les bugs et tout. Il y a beaucoup d'appels. Il y a beaucoup d'appels. Merci ma sœur. Merci. Donc là, tu lui demandes de venir seul avec la voiture. Voilà, elle me dit, viens, en gros, tu viens me chercher après. Je dis, en venant te chercher, je viens à la réunion, je vais assister. Et le diable, il voulait me combattre pour que j'aille pas. Donc je dis à ma soeur, prends ma carte bleue, prends le taxi, et moi, comme ça, je suis dans l'obligation de venir te chercher. Donc je suis obligé d'aller à cette réunion. Ça fait que ma soeur, elle me dit, Olivier, tu vas être combattu. Moi, j'avais pas encore donné ma vie à Jésus, donc je pouvais pas savoir c'était quoi. Donc je finis la vidéo comme ça. Je vais pour monter dans ma voiture, il y a un ami qui est là, il me dit, Olivier, tu fais quoi? Et tout de suite, je me suis rappelé, le Seigneur m'a fait rappeler que, Olivier, tu as combattu pour pas venir me voir, pour pas être à ma rencontre. Ça fait que, j'ai dit, non, mon gars, c'est bon, t'inquiète, on se voit après. Alors qu'il m'avait rien dit, Il m'a juste dit, Olivier, je rentre dans ma voiture, je bombarde. Vraiment, je conduis dans le seul but de, je vais voir le Seigneur. Aujourd'hui, là, Dieu et moi, là, si on dit que tu existes, je vais te voir. Ok. Tu vois ou pas? Amen. C'était vraiment mon but. Donc je viens comme ça à la réunion. À la réunion, je suis en voix, j'étais en claquette, je me rappelle. Après je mets mes chaussures, tout. Tac, je rentre et je te vois. Et quand je te vois, ça me fait un truc en, ça me fait, j'avais chaud un peu. Okay. Tu vois, parce que quand le Seigneur il te montre quelqu'un que tu vas voir, je sais pas, ça te fait quelque chose. C'est. Tu vois, ça me fait quelque chose. C'est lui, tout ça. Et tu passais et tu faisais que me regarder. Tu vois, tu passais tout le temps, tu t'arrêtais devant moi. Tu passais. Là, pendant que je prêchais, quoi. Ouais. Ok. Et y avait un démon guéri que moi j'avais. Une fille qui s'est fait délivrer de ça. Elle est passée, elle m'a regardé. Elle a regardé un homme qui a un démon guéri. Je dis, mais attends, ce regard-là, il est mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Je comprenais en fait ce qui m'arrivait. Ok. Tu vois tout ce que j'avais, tu vois. Et je suis avec ma soeur comme ça. Et au bout d'un moment, tu dis, ceux qui veulent prendre leur baptême, ils viennent. Moi, je regarde ma soeur, je dis, mais c'est quoi prendre son baptême? Elle me dit, si tu veux donner ta vie à Jésus, moi, je t'ai pas venu dans le but de me baptiser. Ok. Quand je te dis, je t'ai vraiment, moi, je me connais, Olivier. Quand je veux pas faire quelque chose. Tu le veux pas. Essaye pas. Maintenant que j'ai Jésus dans ma vie, c'est même plus moi qui décide. Tu vois ou pas? Tu vois, je fais des trucs que j'ai même pas envie. Ok. Mais ça sort seulement, tu vois. Même là, parler, ma sœur, parler, je voulais pas témoigner. Habituellement, tu témoignes pas comme ça, tu parles pas comme ça. Pas, je témoigne voilà. pas. T'as bien vu le temps que ça m'a pris. Si. J'ai dû prier 30 minutes. Le Seigneur m'a fait rouler en voiture 30 minutes pour lui demander vraiment comment ça va se passer. Il m'a vraiment fait comprendre que je dois témoigner lundi 3. Amen. Tu vois. Et là, tu te levais pour le baptême. Voilà. Et maintenant, je dis à ma soeur, elle me dit, c'est ceux qui veulent suivre Jésus. Et un truc, je dis, je me lève. Mais tu vois, c'est pas moi. Je me lève et je marche sans parler. Wow. J'ai même pas dit à ma soeur, ah d'accord, moi je vais faire ça. Tu vois, je me suis levé sans parler, j'avançais vers toi. Et quand j'avançais, tu vois le feu? Ouais. Mes jambes en bas, ça brûlait. Je t'avais dit ça. En bas, il y avait le feu. Ça me brûlait. Et j'arrivais pas à tenir debout. Et ça fait que quand tu parlais, c'est comme si je voulais tomber. Donc je changeais de position à chaque fois. Ok. Et ça fait que tu parlais, tu te mets devant moi, tu me regardes. Et tu continues. Et moi, je baissais la tête, je me dis, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il veut? Alors, tu vois ou pas, je me disais quoi? Seigneur, pardon, s'il te plaît, j'ai pas envie qu'il parle de moi comme ça. Je suis une personne exposée. Tu vois, il y a une certaine autorité. J'ai pas envie qu'on dise Olivier, il allait dans des trucs. Oh, tu vois, mon cœur, il. Dans une secte. Ouais, t'as compris ou pas? T'as compris. Alors qu'aujourd'hui, regarde, je sais où. Ah ben. Alléluia. Et j'étais là, je dis Seigneur. Et tu te rappelles de ça en plus? C'est. Dès que tu passais devant moi. Et je commence à prier, Seigneur, non, qu'il ne me parle pas. Je voulais pas qu'il me parle. Et tu passais. Et je vais prendre mon baptême, j'avais même pas d'habit de rechange. Ça fait, fais baptiser avec tes amis, tes vêtements. Non, on m'a prêté des vêtements. Ok. Et je les ai remis après. Ok. Et vraiment, j'avais pas de serviette et tout. Je suis vraiment venu, quand je suis vraiment, il m'a pris avec humilité. Tiens, mets-toi, suis-moi. Il m'a rassis comme ça à côté de ma sœur. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça. Et c'était vraiment
comme si c'était prévu, tu vois, il avait tout programmé. C'est ça. Et après, maintenant, quand je me baptise, je me sens vraiment bien, je suis assis comme ça. Et je suis là, j'écoute l'enseignement, j'écoute l'enseignement. Et je dis à ma sœur, bon, il faut que je vois le monsieur là. Ma sœur, elle me regarde. Ma sœur l'avait vu ça, elle avait une vision. Ok. Que j'étais comme ça, assis, par terre, à t'attendre. Ok. Qu'on devait se voir. Mais sauf que là, je t'assis sur une chaise. Ok. Il y avait du monde qui était en train de te parler. Et moi, je t'assis tout seul sur la chaise. Et j'étais comme ça, je t'attendais. Je sais pas si t'avais regardé, j'étais assis tout seul dans un coin comme ça, je t'attendais. Et ma sœur, elle me disait, ah, mais il y a d'autres frères là. J'ai dit non. Là, je sais que là, on doit se voir. Mm-hmm. Tu vois, elle peut témoigner. Je sais que là, on doit se voir. Tu vois. Et elle me dit, moi, j'ai dit, d'accord. Et je me lève. Je vois, tu parles. Et au moment où tu dis, j'ai mon train à prendre. Oh, je vais partir. Oh là là, la prière que j'ai. Seigneur, il ne bouge pas d'ici. Non, non, non. J'ai attendu, il ne bouge pas d'ici. Il ne bouge pas, il ne bouge pas. Et j'étais la dernière personne que tu as vue, je te rappelle. C'est. Et tu étais à l'être en retard. Et ça fait qu'on se voit, on s'est serre la main. On s'est... Le Seigneur, il fait les choses que tu comprends tout de suite. Et on s'est compris. Le premier mot que je t'ai dit, tu t'en rappelles ou pas? Enfin. Mm-hmm. J'ai dit, enfin. Et tu m'as regardé, t'as souri. Tu m'as dit, enfin, hein. J'ai dit, tu vois, enfin, enfin, je te vois. Il fallait que je te voie. J'étais tellement combattu pour te voir. Mais Dieu l'a fait grâce. Et tout de suite, ça a échangé. Après, on s'est vu. On a prié. Et dès ce jour-là, là, ma vie, elle a changé. Amen. Les jeunes qui sont là, qui se disent, c'est impossible de jouer au foot, d'avoir le Seigneur. Eh, vous savez pas. Vous savez même pas ce que vous loupez. Amen. Et ce que les hommes, le Seigneur, il m'a vraiment brisé, c'est que les hommes, ils pensaient de moi. Olivier, star de rien du tout. Amen. Moi, la gloire, je vous le dis là, la gloire, je l'avais pas. La gloire, elle est à Dieu. Amen. Remettez-lui votre vie. Parce que les gars, si on revient là, c'est chaud. C'est chaud. Quoi? Wow. C'est chaud. C'est vraiment le message que moi, il me donne tout le temps à cœur. Mm-hmm. Que quand, à chaque fois que je parle de la parole avec quelqu'un, que maintenant je suis amené de parler de la parole avec des gens, même dans l'avion avec des coéquipiers. Hein. On parle de la parole comme ça. À chaque fois, je lui dis, si le Seigneur revient, c'est comment? Mm-hmm. Tu vois, à chaque fois, c'est le truc qui me vient. Ça sort comme ça. Si le Seigneur revient, c'est comment? Et le gars, à chaque fois, il est là devant moi, il fait, oh, ouais, c'est vrai ça. Il se sent mal. Et moi, tu sais, c'est pas que j'ai de l'orgueil que je me la pète, mais c'est que je me sens bien parce que j'ai l'assurance. Et je lui dis, je vais donner ma vie. Tu vois ou pas? Wow. Le péché, dès qu'il vient, mais les gens, ils deviennent fous. J'ai des amis, mon frère, moi aussi, je le prends comme mon frère, c'est même plus un ami, Maxwell Cornet. Il joue à l'OL avec moi. On a été centre de formation ensemble, tout. Il me dit des fois, je l'entends parler de moi à des amis, il dit, mais Olivier, c'est plus le même, hein. Genre, en gros, ils disent, y a un gars, il vient me dire, oh, t'as écouté la nouvelle musique, si, Booba, tout. Et moi, je le regarde, je dis, oh, tu me parles de quoi, là? Et Maxwell, tout de suite, il le recule, il dit, non. Olivier, non, faut laisser ça avec lui, hein. C'est même lui qui dit, tu vois ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Il dit, faut laisser ça avec lui. Lui, il est pas dans ça. Laissez-le. Non. Même des fois, pour aller au cinéma, il vient me dire, mais toi, je peux pas te demander d'aller au cinéma. Tu vois? J'arrive plus. C'est des trucs du monde que j'aimais. Uh-huh. Mais là, je marche même dans la rue. Ma sœur, elle se moque de moi. Je marche, je mets des longs t-shirts. Waouh. Je marche dans la rue comme ça. Et dès que je vois une fille, je commence à pleurer. Non, Seigneur, c'est quoi que tu me fais là? Je rappelle quand je t'ai appelé, frère. C'est. Je t'ai appelé, je pleurais. Tu peux témoigner. C'est. Je peux témoigner, ouais, je peux témoigner, effectivement. Je t'ai appelé, je pleurais. Tellement qu'il craint Dieu, tellement qu'il veut servir son Dieu. Mais vous, c'est terrible. On a quelqu'un en ligne là. Allô, allô, bonsoir. C'est terrible. Waouh. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, c'est la sœur Cathy. Donc, déjà, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. Pour ce témoignage, vraiment, je remercie les Tila que je suis, qui m'a permis de découvrir TV de vie. Oh, amen. Une question pour le frère Olivier. Donc, comme j'ai des enfants, j'ai des garçons, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la richesse, ils voient la musique, ils voient les gens, les clips, les rappeurs, tout ça, ils s'identifient surtout à ça. Et qu'est-ce qu'il aurait à leur donner comme conseil, parce qu'on est en train de regarder, je suis en train de regarder avec mes enfants, afin qu'ils puissent s'inspirer aussi de ce qu'il a vécu? Ah que Dieu soit béni déjà. De ce que j'ai vécu déjà, le conseil qu'on peut leur donner, c'est de donner leur vie à Dieu, il n'y a que ça. Il n'y a personne qui peut nous sauver. Ça veut dire que moi, je peux témoigner de ce qu'il a fait de ma vie, comment il m'a changé, mais la clé, c'est vraiment lui. C'est pas quelqu'un, c'est vraiment lui. S'il y a que lui qui peut le sortir de la musique. Moi, j'étais quelqu'un, dans mon téléphone, j'avais plus de 2000 musiques.
tu vois, et j'avais le goût de ça, j'aimais ça, j'aimais vraiment ça, et c'est lui qui l'a retiré, parce que moi, je lui ai donné, quand tu lui donnes ta vie, il dit, d'accord, tu m'as donné ta vie, maintenant, je vais t'en, il m'a retiré, il a enlevé les trucs, il a tout enlevé. Ça fait que, des fois, même des gens, ils fument à côté de moi, ça me dégoûte. Tu vois, il y a des trucs de dégoût, de musique. Dès qu'il y a la musique, c'est comme si je suis souillé. Je commence à prier dans mon cœur. Tu vois, faut vraiment, voilà, exactement. Faut vraiment que le Seigneur, il donne leur vie au Seigneur et c'est lui qui va s'en charger. Parce que nous, on est faibles. Comme je dis, là, on priait en anglais tout à l'heure, là. Ah ouais. J'ai dit, Lord, we are weakness without you, but with you, we are strong. C'est-à-dire que nous, avec, sans toi, on est faibles. On peut réussir à rien, mais avec toi, nous sommes forts. Nous sommes forts. C'est-à-dire que c'est la clé. Pour moi, c'est ça. Waouh! Amen. Merci. Gloire à Dieu. Un petit chant pour la gloire du Seigneur et puis on va prendre les témoignages des sœurs, tout ça là, et on va revenir après. Chacun va pouvoir s'exprimer aussi, il n'y a pas de souci. Donc un petit cantique à la gloire du Seigneur. C'est un témoignage, mes amis, qui va beaucoup, beaucoup encourager. Moi, personnellement, je suis très, très encouragé. Hein. Et il y a d'autres footballeurs professionnels qui sont touchés. D'ailleurs, Olivier, qui vont certainement appeler tout à l'heure pour te poser aussi des questions. Voilà. Gloire à Yeshua. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à Dieu. Bonsoir Olivier. Bonsoir Ornella, Betty et, hello. Et également Aurélie, tout ça. Et que le Seigneur Naomi et puis bien sûr Noélie. Voilà, que le Seigneur soit béni. En tout cas, quelle grâce. Loïc aussi qui est au niveau du piano. Pianist of God. Voilà, on ne t'a pas oublié. Voilà, que le Seigneur soit béni en tout cas. Vous êtes heureux d'être là tous ensemble? Ah ouais. Loïc, très très heureux. Wow. Dans la joie. Dans la joie. On attendait une émission là. On attendait. Ah bon? Ah, pourquoi? Pourquoi? On a des choses à dire. Et puis déjà, on est très heureuse d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Là, de là, tu sens la chaleur. Ouais, tu sens la chaleur, ça la fait du bien. La sainteté qui te couvre là, ah, ça fait du bien. Waouh, bah, gloire à Dieu. Olivier, toi aussi, pareil, tu... Moi, pareil. Hein. D'accord. J'attendais de vraiment témoigner ce que Jésus l'a fait dans ma vie. D'accord. D'où il m'a sorti. D'accord. Et de ce que je vis avec lui. Donc, tu es arrivé ce matin. Je suis arrivé ce matin. De Lyon.
Oui, de Lyon. Tu avais hâte d'être là. J'étais aussi pressé. C'était chaud un peu, mais. Waouh! Alors, on va juste lire un passage et puis on va vous laisser le temps de vous exprimer. Donc, on va vous donner la possibilité. En tout cas, vous avez toute la soirée pour partager tout ce que vous avez à cœur de partager au nom de Yeshua. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, et, chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 6. Actes chapitre 1er, à partir du verset 6. Ben, je laisse Aurélie, si tu veux bien nous faire la lecture, merci. Acte 1, à partir du verset 6. « Eux donc, étant assemblés, l'interrogèrent, disant, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Mais il leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps, les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà, donc le Seigneur, bien sûr, après sa résurrection, confie une mission aux disciples, aux apôtres qu'il avait choisis. Et cette mission, bien sûr, s'étend sur tous les chrétiens, tous ceux qui aiment Dieu, qui aiment Jésus-Christ, qui l'ont reçu dans leur cœur. Et il leur dit ici, parce que la préoccupation des apôtres, c'était quoi? Quand est-ce que tu allais rétablir Israël? Ça, c'était vraiment leur préoccupation. Et le Seigneur leur dit, ce n'était pas à eux de connaître ce moment-là. Et il leur dit, par contre, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit, eh bien, l'onction, l'autorité, la gloire de Dieu qui précède les vrais chrétiens. Et vous allez être mes témoins, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont expérimenté quelque chose avec Dieu et qui vont par la suite voir les incrédules, les athées, les incroyants, les infidèles, et leur partager cet amour, effectivement. C'est l'amour. Nous sommes des témoins de l'amour de Dieu. Nous avons été, nous, chrétiens, bien sûr, au bénéfice de l'amour de Dieu. Nous avons été, sauvés, nous sommes sauvés par grâce. Eh bien, le Seigneur nous appelle à être ses témoins, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont goûté à la présence du Seigneur, qui goûtent à la présence du Seigneur, et qui sont touchés, dont les cœurs sont totalement transformés, des vies complètement changées. Et ils ne sont pas toujours compris par ceux et celles qui l'ont côtoyé hier, c'est sûr. Et ils vont souvent les traiter de tous les noms, qui sont devenus bizarres, qui sont dans une secte. Voilà. Parce que leur vie sont trop totalement transformées. Et là, ils deviennent des témoins. Amen. De témoins par leur vie sanctifiée, par leur amour pour le Seigneur, par leur amour pour leurs ennemis. Hein, ils prient pour ceux qui les persécutent, ils bénissent ceux qui les maudissent. Mais voilà, être chrétien, être témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc c'est ce qui va se passer ce soir également. Vous allez écouter les témoignages des personnes qui sont devenues des témoins de Yeshua, de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc, on va commencer par toi, Olivier, qui est à ma droite tout de suite. Donc, tu t'appelles Olivier Kemen. Oui, je m'appelle Olivier Kemen. D'accord. J'ai 20 ans. D'accord. Je ne sais pas si on t'entend bien. Est-ce que tu peux rapprocher le micro? Voilà. Je m'appelle Olivier Kemen, j'ai 20 ans. D'accord. Et je vais témoigner de ce que Jésus a fait pour moi. Mm-hmm. Je suis parti de très très loin. Mm-hmm. Tout d'abord, on va commencer par le commencement. J'ai commencé le foot étant petit, je devais avoir 5 ans. D'accord. Mais je jouais que à la maison, à l'école, tout ça. C'était pas encore vraiment mon sport. Donc là, on met les images tout de suite qui passent certainement à la télé. Hein. Donc les images, voilà. Donc là, donc t'as commencé le foot à 5 ans. Ouais, à 5 ans, j'ai commencé le foot. Là, donne-nous un peu quelques prix. Là, c'est quoi? C'est où? Là, c'est contre Reims en Ligue 1. En Ligue 1, ok. Ça, c'était contre Reims, c'était ma première titularisation. D'accord. À 19 ans. Ok. C'est à 19 ans, première. Donc là, c'est toi qui as le ballon, là. Ouais, ça, c'est en équipe de France, en entraînement. D'accord. Là, on était ça, c'était à l'Euro. D'accord. Championnat d'Europe contre l'Espagne en demi-finale. En quelle année? Il y a 2 ans, quand D'accord. je jouais encore en Angleterre. D'accord. Là, c'est pareil, entraînement en équipe de France. Là, c'était contre le PSG l'année dernière. D'accord, contre le PSG. Ouais, on les a battus pour la première fois. Ils étaient imbattus. D'accord. Voilà, donc. Donc, je disais, j'ai commencé le foot très tôt. D'accord. On va dire que c'était mon frère qui était voué à ce sport. Mm-hmm. Moi, je n'étais pas attendu. Mm-hmm. Mais le Seigneur l'avait vraiment fait la grâce que j'avais cette passion dans mon cœur. Mm-hmm. Même si je n'étais pas dans la lumière. Je n'étais pas encore dans la lumière. D'accord. Ensuite, par hasard, comme ça, il n'y a jamais d'hasard, on va dire. Mm-hmm. Je suis allé jouer dans un petit stade avec mon cousin. Mm-hmm. Et il y avait un coach qui était là dans un coin, comme ça, qui me regardait. Mm-hmm.
Et il m'a appelé, il m'a dit, bon, pourquoi tu t'inscrirais pas dans un club avec nous. C'était son okay. Il était dans ce club. J'ai dit pourquoi pas, tout. J'ai pris, j'ai donné à ma mère, je peux m'inscrire. Au début, elle a dit non. J'avais dit à ma soeur, trouve-moi le numéro du frère, je veux le voir. Nan, nan. Je sens qu'il faut que lui et moi, on se parle. C'est en gros, le Seigneur, il montrait qu'il fallait qu'on se parle. Mm-hmm. Qu'il devait avoir un déclic. Mm-hmm. Et ma soeur, elle vient, elle me dit non, je prends pas la voiture, elle a le permis. Hein. J'étais tellement fâché contre elle. Elle a le permis, elle me dit non, j'ai besoin que tu me déposes. Moi, je préfère qu'on me dépose. Elle faisait exprès, elle savait, le Seigneur lui avait montré déjà. Mm-hmm. Donc, moi, je vais à l'entraînement. Je lui laisse ma carte, je lui dis prends le taxi et moi je viens te chercher. Mmh. On a quelqu'un en ligne rapidement. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. On entend mal l'équipe technique, vous pouvez nous aider pour le retour s'il vous plaît. Oui, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Au fait, je suis Marie-Louise, j'appelle depuis Nantes. D'accord. Oui, c'est juste pour saluer mes frères et mes soeurs qui sont là ce soir parce que je suis vraiment émue et touchée de voir tout ça. Donc, franchement, à Dieu toute la gloire. Amen. De voir comment mes frères et mes sœurs témoignent de l'amour de Dieu dans leur vie. Gloire à Dieu. Donc, franchement, j'ai tenu vraiment ce soir. Gloire à Dieu. L'émission, malgré qu'il y a les bugs et tout. Il y a beaucoup d'appels. Il y a beaucoup d'appels. Merci, ma sœur. Merci. Donc là, tu lui demandes de venir seul avec la voiture. Voilà, elle me dit, viens, en gros, tu viens me chercher après. Je lui dis, en venant te chercher, je viens à la réunion, je vais assister. Et le diable, il voulait me combattre pour que j'aille pas. Mm-hmm. Donc je dis à ma soeur, prends ma carte bleue, prends le taxi, et moi, comme ça, je suis dans l'obligation de venir te chercher. Mm-hmm. Donc je suis obligé d'aller à cette réunion. Mm-hmm. Ça fait que ma soeur, elle me dit, Olivier, tu vas être combattu. Moi, j'avais pas encore donné ma vie à Jésus, donc mm-hmm. je pouvais pas savoir c'était quoi. Mm-hmm. Donc je finis la vidéo comme ça. Je vais pour monter dans ma voiture, il y a un ami qui est là, il me dit oh, Olivier, tu fais quoi? Et tout de suite, je me suis rappelé, le Seigneur m'a fait rappeler que Olivier, tu as combattu pour pas venir me voir, mm-hmm. pour pas être à ma rencontre. Mm-hmm. Ça fait que j'ai dit non, mon gars, c'est bon, t'inquiète, on se voit après. Alors qu'il m'avait rien dit, hein. Mm-hmm. Il m'a juste dit Olivier, je rentre dans ma voiture, je bombarde. Vraiment, je conduis dans le seul but de. Je vais voir le Seigneur. Aujourd'hui, là, Dieu et moi, là, si on dit que tu existes, hein, je vais te voir. Ok. Tu vois ou pas? Amen. C'était vraiment mon but. Donc, je viens comme ça à la réunion. À la réunion, je suis en voie, j'étais en claquette, je me rappelle. Après, je mets mes chaussures, tout. Tac, je rentre et je te vois. Et quand je te vois, ça me fait un truc en. Ça me fait. J'avais chaud un peu. Okay. Tu vois. Parce que quand le Seigneur, il te montre quelqu'un que tu vas voir, okay. je sais pas, ça te fait quelque chose. C'est. Tu vois, c'est. Ça me fait quelque chose. En... C'est lui, tout ça. Et tu passais et tu faisais que me regarder. Tu vois. Tu passais tout le temps, tu t'arrêtais devant moi. Tu passais, je suis d'accord. Là, pendant que je prêchais, quoi. Ouais. Ouais, ok. Et y avait un démon guéri que moi j'avais. Une fille qui s'est fait délivrer de ça. Mm-hmm. Elle est passée, elle m'a regardé. Elle a regardé un homme qui a un démon guéri. Je dis, mais attends, ce regard-là, il est mauvais. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? Je comprenais en fait ce qui m'arrivait. Ok. Tu vois tout ce que j'avais, tu vois. Et je suis avec ma soeur comme ça. Et au bout d'un moment, tu dis, ceux qui veulent prendre leur baptême, ils viennent. Moi, je regarde ma soeur, je dis, mais c'est quoi prendre son baptême? Elle me dit, si tu veux donner ta vie à Jésus, moi, je t'ai pas venu dans le but de me baptiser. Hein. Ok. Quand je te dis, je t'ai vraiment, moi, je me connais, Olivier. Mm-hmm. Quand je veux pas faire quelque chose, tu le veux pas. Essaye pas. Mm-hmm. Maintenant que j'ai Jésus dans ma vie, c'est même plus moi qui décide. Tu vois ou pas? Tu vois, je fais des trucs que j'ai même pas envie. Ok. Mais ça sort seulement, tu vois. Okay. Même là, parler, ma sœur, parler, je voulais pas témoigner. Habituellement, tu témoignes pas comme ça, tu parles pas comme ça. Je témoigne pas. T'as bien vu le temps que ça m'a pris. Si. J'ai dû prier 30 minutes. Le Seigneur m'a fait rouler en voiture 30 minutes pour lui demander vraiment comment ça va se passer. Il m'a vraiment fait comprendre que je dois témoigner lundi 3. Amen. Tu vois. Et là, tu te levais pour le baptême. Voilà. Et maintenant, je dis à ma soeur, elle me dit, c'est ceux qui veulent suivre Jésus. Et un truc, je dis, je me lève. Mais tu vois, c'est pas moi. Mm-hmm. Je me lève et je marche sans parler. Wow. J'ai même pas dit à ma soeur, ah d'accord, moi je vais faire ça. Tu vois, je me suis levé, sans parler, j'avançais vers toi. Et quand j'avançais, tu vois le feu? Ouais. Mes jambes en bas, ça brûlait. Je t'avais dit ça. En bas, il y avait le feu. Ça me brûlait. Et j'arrivais pas à tenir debout. Et ça fait que quand tu parlais, c'est comme si je voulais tomber. Donc je changeais de position à chaque fois. Okay. Et ça fait que tu parlais, tu te mets devant moi, tu me regardes. Et tu continues. Et moi, je baissais la tête, je me dis, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il veut? Tu vois ou pas, je me disais quoi? Seigneur, pardon, s'il te plaît, j'ai pas envie qu'il parle de moi comme ça. Je suis une personne exposée. Tu vois, il y a une certaine autorité. J'ai pas envie qu'on dise Olivier, il allait dans des trucs. Oh, tu vois, mon cœur, il. Dans une secte. Ouais, t'as compris ou pas? T'as compris. Alors qu'aujourd'hui, regarde, je suis où? Ah oh, ben, Alléluia. Et j'étais là, je dis Seigneur. Et tu te rappelles de ça en plus? C'est. Dès que tu passais devant moi.
Et je commence à prier. Non. Qu'il ne me parle pas. Je voulais pas qu'il me parle. Et tu passais. Et je vais pour prendre mon baptême, j'avais même pas d'habit de rechange. Ça fait, je vais tu te fais baptiser avec tes amis, tes vêtements. On m'a prêté des vêtements. Ok. Et je les ai remis après. Ok. Et vraiment, j'avais pas de serviette et tout. Je suis vraiment venu. Quand je suis vraiment. Il m'a dit, il m'a pris avec humilité. Mm-hmm. Tiens, mets-toi. Suis-moi. Mm-hmm. Il m'a rassis comme ça à côté de ma soeur. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça. Et c'était vraiment comme si c'était prévu. Tu vois, il avait tout programmé. C'est ça. Et après, maintenant, quand je me baptise, je me sens vraiment bien. Je suis assis comme ça. Et je suis là. J'écoute l'enseignement. Et je dis à ma soeur, bon, il faut que je vois le monsieur là. Ma soeur, l'avait vu ça, elle avait eu une vision. Okay. Que j'étais comme ça, assis, par terre, à t'attendre. Okay. Qu'on devait se voir. Mais sauf que là, j'étais assis sur une chaise. Okay. Il y avait du monde qui était en train de te parler. Et moi, j'étais assis tout seul sur la chaise. Et j'étais comme ça, je t'attendais. Je sais pas si t'avais regardé, j'étais assis tout seul dans un coin comme ça, je t'attendais. Et ma soeur, elle me disait, ah, mais il y a d'autres frères là. J'ai dit non. Là, je sais que là, on doit se voir. Mm-hmm. Tu vois, elle peut témoigner. Je dis, je sais que là, on doit se voir. Tu vois. Et elle me dit, moi, j'ai dit, d'accord. Et je me lève. Je vois, tu parles. Et au moment où tu dis, j'ai mon train à prendre. Oh, je vais partir. Oh là là, la prière que j'ai. Seigneur, il ne bouge pas d'ici. Non. J'ai attendu, il ne bouge pas d'ici. Il ne bouge pas. Malgré avec l'argent, tout ça, je tourne en rond. Tu n'étais pas heureux. J'étais pas heureux. Non, malgré ces belles femmes. C'était comme si j'avais des copines, hein, des amis. Ils me disaient qu'ils jouent pour foot. Ah, mais Olivier, c'est terrible. Même un témoignage. Un jour, je suis sorti avec des amis. Une fille qui est venue comme ça devant moi, j'espère même qu'elle regarde l'émission. Elle se met devant moi comme ça, elle me dit Olivier Kemen. Je la regarde, je lui dis oui. Et elle me dit tout sur moi. Vraiment, elle était vraiment envoyée pour me troubler, tu vois ou pas. Mm-hmm. Elle me dit tout sur moi, on s'échange les numéros, on se parle tout. J'espère vraiment qu'elle regarde, qu'elle comprenne, tu vois ou pas. Mm-hmm. Et non, mais on peut rigoler. Ouais, tu vois. Ou pas. Et parce que des fois, j'y pense, je dis mais c'est grave quand même les attaques. Mm-hmm. Parce que on se rend pas compte. On se rend pas compte, mais ce mec comme ça, il me décrit ma vie. Tu sors ta vessie, t'as fait ça. On s'échange les numéros, elle danse avec moi, je suis là. Je dis, mais moi, choqué. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça? Donc, je continue. Ensuite, j'étais là, j'étais perdu. J'étais musulman, je priais, mais ça me faisait rien. Tu vois, j'étais pas vraiment, c'était pas dans mon cœur. Mm-hmm. Et un jour, je suis dans la difficulté, j'appelle ma sœur. Elle me parle de Jésus, elle me parle. Elle dit, tu sais que Jésus, il t'aime, tout ça. Comme on dit, Jésus, quand il travaille, ça dérange un peu. Mmh. Ça commence à me déranger. Et j'ai laissé tomber encore. Je m'entêtais. Je pars en équipe de France. Les images, là. Je pars à l'Euro. On peut montrer encore les images, là. Franchement, je fais un très, très bon Euro. Tu vois. J'étais bon. J'étais bien dans mes matchs, tout. Le Seigneur, il permettait toujours que sur le terrain, j'étais bon. Ensuite, maintenant, je voulais partir de Newcastle parce que j'avais pas vraiment joué. J'étais pas heureux. Mmh. Dû à ça. Parce que j'avais pas le Seigneur avec moi. Je tournais en rond. Mmh. Et je demande au Seigneur vraiment, quand mes sœurs, elle me dit, il faut prier, Jésus, il va t'accorder. Bah, t'as voulu partir, t'as voulu avoir un contrat professionnel, tu l'as eu, il t'a toujours fait grâce, tu vois. Je commence à le prier. J'ai fait une expérience, je l'ai prié. Et je me rappelle, le mercato, il finissait à minuit. Le mercato, donc tu expliques, c'est le marché. Le mercato, c'est le marché de transfert. Mm-hmm. C'est-à-dire, en gros. Des joueurs, quoi. Voilà, à partir de minuit, je pouvais plus signer dans un autre club, j'allais être bloqué à Newcastle. Donc je commence à prier Dieu. Non, je vais partir aujourd'hui, j'ai fait un acte de foi. J'ai pris toutes mes affaires de Newcastle, je les ai ramenées à Paris. Je dis, si je quitte pas Newcastle, je reste à Paris. Mmh. Lyon, ils viennent, on va, on négocie, tac, c'était dur. À 23h45, j'ai signé. À Lyon. Ouais. Donc, il restait 15 minutes. L'Olympique de Lyon, c'est une équipe aussi. Une grosse écurie. Grande que PSG, ouais, Marseille, tout ça. Exactement. C'est le plus grand. Non, ils ont un des plus grands centres de formation d'Europe. D'accord. Des jeunes. Et il fait partie des plus grands clubs français aussi parce que c'est les plus titrés. D'accord. Avec cette championnat. Ah bon? Ouais, c'est les plus titrés. D'accord. Et si on veut, là j'ai testé le Seigneur. Mm-hmm. Et le Seigneur il m'a montré qu'il fait ce qu'il veut. D'accord. Pendant toute la journée il m'a fait galérer, j'étais pas sûr de signer. Mm-hmm. À 23h45 je signe, à 15 minutes près je signais plus. D'accord. À Lyon. Et alors j'étais déjà dans le bureau avec mon agent, je me rappelle, on attendait, on négociait tout ça. À 45 je signe, je suis super heureux, je renie le Seigneur encore. Waouh. Je le laisse. Je dis, oh, c'est bon. Et un jour maintenant, bon, je vais aller plus loin. Quand j'étais à Lyon, l'année, elle était difficile. Le Seigneur, il m'a rabaissé. Quand je l'ai laissé, il a commencé à me frapper. Ils m'ont mis en réserve. Ils m'ont mis dans un casier. Franchement, les joueurs de la réserve, moi qui étais joueur en équipe de France, je devais avoir un bon casier quand même. Mm-hmm. Déjà, j'étais pas dans le vestiaire de l'équipe 1. J'étais dans le vestiaire de la réserve. J'avais pas de casier. Mm-hmm. Vous savez que, ils m'ont mis une chaise. Vous voyez les chaises en bois? Mm-hmm. Ils m'ont mis une chaise en bois. Le Seigneur, vraiment, quand il brise, hein. Mm-hmm. Une chaise en bois. J'étais assis sur une chaise en bois, sans casier.
Mon casier, c'était un truc en métal. Je mettais mes affaires dedans et tout le monde pouvait l'ouvrir. Dire que j'étais souillé un peu, tu vois. C'est ça. Et moi, je voulais pas reconnaître. J'allais en CFA, je marquais des buts et tout le temps, je disais, c'est moi, les mecs, c'est moi. Tu donnais toujours pas, tu donnais moi, pas la gloire au Seigneur. La gloire, toujours, c'était moi, quoi. C'était, waouh. et un jour, ma sœur, elle appelle mon autre sœur, qui s'était convertie, que je savais pas. Elle dit, il faut qu'on monte à Lyon, c'est chaud. Notre frère, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Et quand Jésus, il appelle quelqu'un, c'est vraiment les sœurs chrétiennes, les frères chrétiens, ils sont en feu. C'est ça. Et, mes sœurs, étaient en feu. Oh, il m'appelait Olivier, on monte. Quoi qu'il arrive, on monte. Et moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, nana? Montez alors, je m'en fous. Nana. On va monter. Ils montent. Ils montent, ils commencent à me prendre. Ils m'assaient. Putain, je suis assis, ils sont là, là, au salon. Et moi, je sortais beaucoup. J'étais à la maison, mais je restais pas à la maison. J'étais avec des amis, je sortais, tu vois. Et si tu veux, mes sœurs, ils m'attendaient à la maison. On s'assoit, on parle, ils commencent à me donner, dire des reproches. Olivier, là, j'ai vu que Dieu, il est grand. Elle me disait des trucs que ils étaient pas censés savoir. C'est ça. C'est des secrets. D'accord. Pour moi. Olivier, tu voles la gloire à Dieu. Toi, tu dis des mots blessants à des gens. Ils étaient pas censés savoir. J'ai jamais dit à personne. Je blessais des gens dans le vestiaire, des jeunes. Mais elles peuvent pas le savoir. Si c'est pas Dieu, tu blesses des gens. Les paroles que tu dis, c'est blessant. Tu prends la gloire de Dieu. T'es orgueilleux. Et moi, je suis là, je voulais pleurer. Et moi, ça m'arrive pas de pleurer. Mais, tu vois, mes sœurs, ils peuvent en témoigner. Moi, les trucs comme ça m'arrive pas. J'ai toujours été très, très dur. Et je dis, non, c'est pas possible. Je dis, c'est bon, on a assez parlé. Je me rappelle, on s'était pris un peu la tête. Elle voulait pas se prendre la tête avec moi. Je suis parti de la maison. Je suis sorti avec des amis. Mais quand je suis sorti, j'étais assez avec des amis. Et le Seigneur, il tapait dans ma tête. Tu vois ce qu'ils t'ont dit? Bah, c'est comme ça que t'es. Et c'était dur. Ensuite, je me rappelle l'enseignement que j'avais tiré, tout ça, c'était je devais avoir la paix dans mon cœur. J'ai quelqu'un qui pardonnait pas, j'avais beaucoup de blessures. D'accord. Tu vois, je pardonnais pas par rapport à même à la famille, aux amis, je pardonnais rien. Et dès que j'ai commencé à apprendre à pardonner, à avoir la paix dans mon cœur, je commençais déjà un peu à lire. J'écoutais de la musique. J'écoutais encore de musique. Et je commençais à pardonner. Le Seigneur, il me fait quoi? Pendant une semaine, il me fait voir comment l'équipe première va m'appeler. OK. Et comme ça, je suis à la cuisine, à la cantine, je suis en train de manger avec la réserve. Je l'avais déjà vu, hein, j'avais eu une petite vision. Et le coach de la réserve, il vient me voir, il me dit, Olivier, cet après-midi, tu t'entraînes avec les pros. Et moi, je commence à rigoler. Je rigole, sans, c'est cher, tout, là, là. Prends, là, dis, s'il te plaît, André, fait du foot. Le micro, hein. André fait du foot, etc. Donc, d'accord. Après, elle a accepté. Et après, c'est parti comme ça, c'était ma passion. Je dormais au foot. Je négligeais même l'école. OK. Pour le foot, que j'étais vraiment un fou du foot. Ensuite, le Seigneur, il a fait grâce que j'avançais. Et étant petit, je priais tout seul. D'accord. J'avais besoin de personne pour prier. J'allais à l'église. Ma sœur s'inquiétait beaucoup parce qu'elle voulait pas que j'aille n'importe où. Tout l'église ça. Catholique? Je savais même pas où j'allais. D'accord. J'allais prier seulement. Tu priais. Il y avait un ami qui était chrétien, il m'emmenait, j'allais à l'église, je priais normal. D'accord. Tout seul. Et, un jour comme ça, je suis à la Garenne-Colombes, je joue à la Garenne-Colombes, j'étais encore petit, je dis bon, j'ai envie de monter plus haut, j'ai envie d'être un joueur de foot professionnel. Je commence tout seul, je pars à l'ACBB, qui était à 1 heure de chez moi, en transport. J'avais quel âge? Je devais avoir 13 ans. D'accord. Je faisais 1 heure tous les soirs après l'école. Waouh. Et je rentrais souvent vers 23h tout seul. Et c'était un truc que j'avais en moi, c'était plus fort. Donc ça va aller. Ensuite, j'ai été repéré par l'Olympique Lyonnais, déjà étant petit. D'accord. Le Seigneur, je pense qu'il a fermé cette porte. Ma mère, elle a dit non. C'était pas le bon moment. En plus, ce qu'il proposait comme contrat, c'était pas sûr, même pour mes études. D'accord. Et ensuite, le FC Metz, ils sont venus, ils m'ont proposé un contrat. Je suis allé, j'ai signé là-bas. Et j'ai commencé à monter. Au début, j'ai été rejeté. Puis après, j'étais dans la difficulté. Je suis sorti de cette période dure. Le Seigneur vraiment m'a fait beaucoup de grâce parce qu'il m'a réélevé. Les hommes, ils ont commencé à vraiment, comment on va dire, nous les jeunes, ils ont commencé à kiffer. Il montait Olivier, espoir de la France, espoir de si. Avec mon ami Maxwell Cornet qui joue aussi à Lyon, on était ensemble, t'es vraiment élevé. Je commençais à aller en équipe de France et là c'est parti. Je commençais déjà à m'approprier la gloire de Dieu, cette gloire qui n'était pas la mienne. Je commençais à être un des meilleurs joueurs du centre de formation. D'accord. J'avais une certaine notoriété, même au lycée, je faisais ce que je voulais à l'école. Les profs, ils pouvaient plus rien faire. Parce que même quand ils me parlaient, je disais c'est bon. Ça sert à rien, moi je vais être joueur de foot professionnel, c'est bon. D'accord. Et j'avais pas encore signé pro.
Donc ensuite sont venus les convoitises de d'autres clubs comme Arsenal, Newcastle, des clubs West Ham, anglais, des grosses écuries. Wow. Ils sont venus étant j'avais 16 ans, c'était assez rare ça, mais ils sont venus, j'avais 16 ans. J'ai pris le choix de signer à Newcastle parce que les autres portes étaient fermées parce que le club il demandait beaucoup d'argent. Ensuite, je suis allé à Newcastle et c'est là que c'est parti. J'étais dans le monde total. Complet. Les femmes, boîte de nuit, grosse voiture. Exactement. J'avais même pas encore le permis. J'avais déjà une Range Rover. Waouh, toute neuve. Toute neuve. J'avais pas le permis. Hein. Je la conduisais. J'étais fou. Pour moi, j'étais le plus fort. Mais comme on dit, Dieu, il sait ce qu'il fait. Il laisse. Il me laissait. Et voilà, je continue. J'allais en boîte. Ouais, je fêtais. J'allais en équipe de France. Je revenais. Je gaspillais de l'argent pour rien. Et t'avais combien de femmes à l'époque? Ouh là là. Non, sérieusement, je rigole aujourd'hui. Mais des fois, quand je pense, je me dis vraiment, Seigneur, ça fait mal. Tu sais, qui suis-je pour que tu m'aies sauvé comme ça? Parce que avec tout ce que j'ai fait, tu m'as sauvé. Tu m'as sorti de très très loin. De très très loin. Parce que ce que les jeunes, ils savent pas aujourd'hui, c'est que on fait des petits actes pour nous, mais pour le Seigneur, c'est grave parce qu'on le délaisse et il a mal au cœur. Tu vois, et maintenant, je me dis ça à l'heure d'aujourd'hui, que je peux plus être dans le péché, je peux pas pécher. Tu vois? Donc, j'avais, je sais pas combien de copines. C'était facile. Je me rappelle même des fois, je sortais avec des amis. Je t'avais déjà raconté ça une fois. Il y avait des filles qui venaient à ma table comme ça et c'est moi qui décidais si elles rentraient ou pas. Waouh. Et peut-être j'étais tout seul comme ça, j'étais vraiment dans la gloire quoi, j'étais Seigneur vraiment pour moi. Tu vois. C'était une idole quoi. Voilà. Tu rentres pas. Ah toi, non, tu rentres pas. Et c'était comme ça. Et le Seigneur un jour il m'a brisé. Il a commencé un peu petit à petit à m'envoyer des signes. Il y avait ma sœur qui était dans la prière. C'était la seule qui était dans la prière dans la famille, ça fait qu'elle était beaucoup attaquée, beaucoup combattue par rapport à ça. Et elle essayait de m'appeler. Et comme par hasard, quand elle m'appelait, je lui répondais, j'étais agressif avec elle. En sachant que je m'étais converti, j'étais musulman. J'étais musulman, je m'étais converti, pour moi, j'étais dans le vrai. Et désolé si ça fait mal à certaines personnes, moi, je préfère dire la vérité, j'ai pas honte. Maintenant, tu suis Jésus, quoi. J'étais pas dans le vrai, maintenant, je suis Jésus. Et maintenant, si vous voulez, ma sœur priait, m'appelait, je prenais pas la peine de lui répondre, ou je lui répondais vraiment mal. Oh, c'est moi, je te rappelle après, laisse-moi. J'avais les yeux voilés. Ensuite, le Seigneur, il m'a brisé un peu un petit coup là, la cheville. Petite entorse, 8 semaines. D'accord. J'ai pas compris, j'ai dit non, c'est rien ça. Ensuite, boum, j'ai commencé à m'entêter, je me suis entêté. Je me suis blessé à l'ischio. Waouh. Je me suis entêté, non, quadriceps, déchirure. J'ai dit, oh, c'est rien ça, je vais revenir. Je me suis redéchiré le quadriceps encore le même. Ça fait que j'ai fait 2 mois de blessure comme ça, je pense. Et plus je commençais à me dire, mais est-ce que je suis vraiment dans le vrai, moi? Ça commençait à truc. Mais après, maintenant, le diable, comme on dit, il est là, il est présent partout. Hein. Vu que j'avais pas encore reçu le Seigneur, et c'est là qu'il revenait. Il revenait toujours sur la forme d'une femme. D'une femme super belle. Je me rappelle. La nuit, pendant que tu dormais. Pendant que je dormais, une femme super belle venait. Et même en vrai, physiquement en vrai, je sentais, j'attirais ça. D'accord. Si tu veux, j'attirais ça parce que quand tu reçois l'appel du Seigneur, vraiment lui, il veut pas. Ça fait que vraiment, il veut vraiment pas te lâcher. Quand le Seigneur t'appelle, lui, il est vraiment là. Les sœurs épicées peuvent en témoigner. Ensuite, bon, j'enchaînais, je sortais avec des femmes. Pour moi, j'étais terrible. Je suis un grand roi, je suis un boss. Ensuite, je vois que j'avance pas, je tourne en rond. Même malgré, je rigole parce que le Seigneur il m'a montré ça. Et les gens me regardaient, mais pourquoi il rigole lui, il est fou? En fait, moi, j'étais déjà en train de dire, ah, Seigneur, c'est grave. Là, tu commençais à donner gloire au Seigneur. Voilà, je commençais à comprendre, oh, que le Seigneur soit béni, oh, soit béni. Quand c'est comme ça, t'es chaud. Ouais. Le Seigneur soit béni, tout ça. Et, si tu veux, après, il me met contre le PSG. Okay. Comme par hasard, ma famille vient voir le match. Tout s'enchaînait. Et je rentre contre le PSG, mais vraiment, match de dingue. Plus de 60 000 spectateurs, c'est, et je rentre dans ce match. Contre ma ville natale, Paris. Et terrible, tu vois, c'est là que ça commence à monter encore plus. Et moi, comme un bête, on va dire ça comme ça, je finis, au lieu de rendre la gloire à Dieu encore, comme on dit, quand t'es dans le monde, j'avais encore la musique, j'avais encore plein de choses comme ça. Et voilà, j'ai pas réfléchi. Le soir, je vais rester avec une fille. Je reste avec elle, on va à l'hôtel, tout ça, nanana. Et en rentrant chez moi, je me sens mal. Je me dis, mais Olivier, t'as fait un truc de maladroit, ce que le Seigneur t'a accordé. Toi, tu finis comme ça, tu lui rends même pas la gloire, tu restes même pas avec ta famille, tu partages même pas.
je me sentais mal. Tu vois, quand tu te sens mal, dans mon cœur, ça faisait mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Le Seigneur, tout de suite, brise-moi encore. Le match d'après, l'équipe, ils me mettent en tribune. Ils ne me mettent pas dans le groupe. Carrément. Ouais, je comprends tout de suite. J'ai dit, tu vois, pourquoi je fais ça? Je redis pardon au Seigneur, tout ça, nanana. Il me remet sur le banc. Et je refais la même chose, il me rebrise. En gros, dès que je fautais, bam. Un gars en gros, très... C'est, en gros, je voulais têtu, pour montrer vraiment que Dieu, vraiment, il est droit. Dès que je faisais ça, dès que... Cassé tout le temps. Ça fait que là, je voyais vraiment que je t'ai appelé. Tu vois, tu sentais qu'il y a quelque chose. Il y avait vraiment quelque chose. Et l'année, elle se finit. Elle se finit bien parce que je commençais à prier. Je priais bien. Et un message aussi pour les jeunes, c'est les fréquentations. Parce que quand je priais vraiment bien, tout ça, et j'avais des amis, ils venaient chez moi, sortaient, je commençais à oublier la parole. Je commençais à la délaisser un peu. Alors que le Seigneur m'a fait beaucoup de grâce, j'ai commencé à enchaîner les bancs contre Montpellier, j'ai joué contre un, j'enchaînais les matchs. Je commençais à être de plus en plus connu. Tu vois, je commençais vraiment à avoir une autorité un peu dans le foot. Et si tu veux, dès que mes amis étaient à la maison, je n'étais plus là à prier. Alors, les gars, vous voulez faire quoi? On sort, allez, on va au cinéma, on regarde des films. Tu vois, dans le monde vraiment. Ensuite, si tu veux, après ça, ils sont partis. Et c'est là, l'appel, il a commencé à être plus fort. Quand j'ai vraiment été appelé, ça a été vraiment fort. Quand je suis revenu de vacances, j'avais fait la fête comme un malade. Comme un malade. Déjà en vacances, j'avais fait la fête comme un dingue. J'étais vraiment quelqu'un du monde, mais c'était les ténèbres dans ma tête, tu vois. Je voyais vraiment mal. En plus, elle se moque, mais on attend votre témoignage. Je faisais la fête comme un malade. J'étais fou. Tu vois, l'argent... L'argent t'a rendu fou. Quand ceux qui ont de l'argent et qui craignent pas le Seigneur, pardon, laissez votre argent. L'argent, c'est rien. C'est rien du Amen. Tout. C'est, Amen. Quand je vous dis c'est rien du tout, le Seigneur m'a montré déjà que je peux vivre sans argent et que je m'en fous complètement. Donc, je vous dis, je faisais la fête comme un malade. Regarde ce que je faisais. Je venais comme ça en vacances. Je rentrais. Genre, je prends une table là comme ça. Je mange dans des restaurants-ci. Je gaspillais comme ça, tu vois. Wow. Je savais même pas ce que je faisais. Tu pouvais dépenser combien comme ça? Comme ça? Franchement, dans la semaine. Ah ouais, en un jour. Déjà, franchement, en un jour avant. Bon, ma soeur, elle va me tuer pour après, mais bon. Tiens, des fois, 2500 euros la journée. Tu vois, j'allais au resto, En gros, mon argent, je savais pas ce que je faisais, je tournais en rond. Waouh. Tu vois ce que je veux dire? Waouh. Je crois que je vais avoir quelqu'un en ligne, hein. Non, pas encore. Tu vois? Okay. Je tournais en rond, vraiment. Je tournais en rond. Sans le Seigneur, je tournais en rond. Et comment mon argent, je sentais que mon argent, il partait seulement. Et comment tu arrives à la conversion alors? Comment ça s'est passé? Ça arrive là tout de suite. Okay. Je m'amusais, genre, en fait. Bon, maintenant, moi, que quand même, le Seigneur m'a mis à cœur que le foot, c'était là où je devais être sérieux. Je travaillais en même temps. D'accord. Donc, j'ai dit, bon, la fête, c'est fini, je rentre. Je vais aller prendre un coach. Je commence à courir. Je commence à me préparer pour la saison. Ma sœur, elle vient à Lyon. J'ai déménagé tout ça. Nouvelle maison, il n'y avait aucune fille qui était entrée dans cette maison. D'accord. Tu vois, c'était vraiment le bon moment. Ok. Tu vois ce que je te dis? Non. Si, il y avait une fille qui était venue dans cette maison. Ok. Tu vois? Et c'était venu dans cette maison parce qu'il y avait des amis. Il y avait une fête, des amis étaient venus, tout ça, nan, nan. Et si tu veux. Mais moi, j'étais mal. J'étais mal. Et ma soeur, elle me dit, elle programme, Olivier, je vais venir à Lyon. La veille avant qu'elle vienne, ma grande soeur, la plus grande, je dors comme ça, avant de dormir, je me réveille. Je veux l'appeler, lui dire, ouais, Vanessa, viens plus. C'est bon. J'ai envie d'être tout seul. Le Seigneur, vraiment, il m'a montré que t'es appelé là, c'est mort. Tu peux rien faire, t'es fermé. Ma sœur, elle me dit, non, c'est bon, Olivier, envoie-moi ta carte, je prends mon billet, je m'en fous, je viens. Mais c'est ma sœur, moi, je peux pas refuser quelque chose à quelqu'un de ma famille. Je dis, bon, vas-y, tiens, je lui envoie ma carte, elle veut prendre le billet, il marche pas. Je dis, oh, merci. C'est la carte qui ne fonctionnait pas. Ouais. Alors qu'il y a l'argent dessus. Ça marche pas. Je dis, oh merci, elle va pas venir. Non. Et elle insiste, boum, ça passe, elle vient à Lyon. Mon autre sœur, Prisca, allez, elle vient à Lyon. Elle me dit, Olivier, il y a une réunion là. De réveil. De réveil. À Lyon. Faut que tu m'accompagnes. Il y avait deux voitures, hein, j'ai deux voitures. Tu vois. Et je lui dis, bon non, prends l'autre voiture toi, et tu y vas. Elle me dit, non, 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 non. Tu me déposes. J'ai dit, non, il y a une voiture, je m'en fous, je viens pas. Je dis d'accord.
Moi, je lui dis, je vais vidéo avec le club. On a un petit truc vidéo. Et il y avait tout pour que je rate. Le diable, vraiment, il agissait pour que je vienne pas à cette réunion de réveil. Mm-hmm. Parce que je t'avais dit, quand on s'était vu, je devais te voir. Mm-hmm. À tout prix. Mm-hmm.